Donc là, on s'approche de deux gros mégalithes qu'on voit dépasser. On est toujours sur les alignements de Saint-Just. Alors, je ne me souviens plus des noms. J'ai lu les noms ce matin là, mais j'ai pas noté, donc je vous l'inscrirai en bas sur un petit bandeau après coup au montage. Donc voilà, on a deux gros mégalithes encore plantés et un couché. J'ai lu aussi que c'était du quartz blanc. Donc les mégalithes étaient soit en grès, soit en quartz blanc. Là on a encore une petite pierre. Et là vous voyez, c'est des landes qu'ils appellent les landes de Kojou. Et là c'est du. C'est des genêts ça, non? Qui piquent. Qui pique bien les jambes. Donc allez, on va refaire le petit tour de ces pierres. Elles ont l'air lourdes, hein, ces pierres. Je connais pas la densité du quartz, mais bien massif, hein. Donc là, on arrive à d'anciennes carrières, donc qui se sont transformées en mares. Hein. On voit pas vraiment à quoi ça ressemble. On est au sommet de la petite colline. Donc en bas, il y a les alignements. Et au sommet, là, on voit le rocher qui dépasse. Et on le voit sortir ici aussi. Donc, est-ce qu'ils sont venus prendre des rochers ici aussi? Ou est-ce qu'ils les ont seulement tirés des carrières? Pas mal de. Ce sont des marques, moi j'ai l'impression naturelles. Ah, ça continue là-bas, jusqu'au moulin là-bas. Et les alignements sont plus bas là-bas. Et donc là, on arrive sur les premiers alignements. Donc en fait, on a trois alignements ici. Forme trois lignes et les trois lignes se rejoignent en un point. Donc en fait on a cet alignement là,
dans cet axe donc. Là-bas, on a un alignement, mais qui est un peu oblique, oblique. Et donc, si j'ai bien compris, ces deux lignes se rejoignent par là-bas. Et il y a un autre alignement qui est un peu sur la gauche là. Et la ligne formée va remonter et croiser donc cette ligne ici. Donc le point de rencontre serait par là-haut, vers le sommet, à mon avis. Faudra voir, on va voir hein, s'il y a quelque chose par là-bas et si je confirme tout ce que je viens de dire. Donc là, on a un alignement de dolmen en taille décroissante et croissante, c'est-à-dire voilà, on a un menhir du milieu qui est bien plus haut. Et donc ça descend de chaque côté de ce menhir. Et idem de ce côté. Donc comme une vague. Et hop, on remonte avec celui-là. Là, je dirais que 4,50 m au moins le menhir là, 5 mètres. Ici, on a un menhir en quartz blanc. Et là-bas, l'autre alignement. Donc plusieurs datations. Hein. Pareil ici, ça peut remonter à 4500 avant notre ère. Et après, il y a également eu du matériel archéologique de retrouver daté de moins 1800 avant notre ère. Donc plusieurs phases d'occupation. Là, on voit celui-là, là, il est bien pointu. Les premières traces d'occupation, environ à moins 5000. Trois menhirs. Construction d'un cairn. Recouvrement par un tertre. Donc le recouvrement par un tertre, c'est 1500 ans après, hein, quand même. Mise en place des grands menhirs, enfouissement d'une urne funéraire. Des traces donc à moins 2000, puis à moins 800. Schéma que je vous disais, avec cet alignement qui va faire une droite qui va monter. Et ces alignements qui font deux droites qui vont aller recouper celle-là là-haut. Oui, donc voici des échantillons de pierre. Donc je me trompais, hein, c'était pas du grès. Ça me paraissait pas assez rond pour être du grès. Donc c'est du schiste en fait. Après, il y a de la poudingue de Montfort.
un peu la même matière mais d'une couleur différente. Après, il y a de la poudingue de gourin. Voilà. Plus blanche. Et enfin, le quartz. Le quartz blanc. On voit encore le moulin là-haut. Les alignements qu'on a vus juste avant sont là-bas à droite. Et donc ça, c'est la troisième ligne formée par ces menhirs et qui va recouper là-haut les deux autres lignes formées par les autres menhirs. Donc ils disent que cet ensemble a été très endommagé. Bon, alors on ne sait pas, peut-être que les pierres ont été déplacées. En tout cas là, cailloux massif. Il y en a encore au sol, on voit que celui-là a été brisé. Et voilà. De notre dernier rocher. Et celui-là comme un viseur avec un creux au milieu. Donc voilà pour cet alignement donc qui monte vers le moulin. Et puis donc de l'autre côté du chemin, ce qu'ils appellent les dames piquées, petite roche piquée. petites roches piquées. C'est là qu'on a l'habitude d'être. Ah non, c'est la file ouest, c'est ça. Là. Les petites roches piquées, elles étaient autrefois alignées sur plus de 200 mètres. Voilà. Certainement quand elles ont été bougées pour. Donc une autre ligne quoi. Les anciens pouvaient cultiver plus facilement le sarrasin. Les incendies de 76 et 89 ont malheureusement fragilisé les blocs de quartz et les dalles de schiste du monument. C'est moins 5000 et après la construction du dolmen. Et après, voilà, vers 1500. Remodelage du monument et creusement de tombes individuelles, installation de lumière. Et ici l'arrière du château de Bu, château Bu. C'est l'ensemble de la croix Saint-Pierre. Ici un tumulus, un tertre tumulaire. Après encore un ensemble là. Cercle. Enfin là-bas,
le tribunal qu'ils appellent. Donc un ensemble de quelques mégalithes qui forment un arc de cercle. Là voilà, on est sur tout cet ensemble, ce dernier ensemble de mégalithes avant d'aller à l'allée couverte. Donc là on a ces mégalithes en cercle, en arc de cercle. Cette pierre est vraiment belle, là on voit toutes les veines ressortir. Et après donc on part en arc de cercle comme ça. Et après ils ont également identifié des menhirs manquants qu'ils ont remplacés par des dalles. Et donc on voit bien que ça ferme le cercle, l'arc de cercle, et tout ça fait face au rocher du juge, comme on pourrait dire. Voilà. Et là donc les à gauche du chemin les quatre tumulus. L'arc de cercle et les mégalithes du tribunal. Et dans le prolongement, on arrive au tertre du tribunal. Donc on voit un tumulus long de une trentaine de mètres et avec une dizaine de mégalithes posés dessus. Donc je ne sais pas si ce tertre a été fouillé. Il a été fortement perturbé par les activités humaines. Mais voilà, ouais. Donc là, à 100 mètres du tribunal, du côté des tertres, un autre tertre avec une autre pierre plantée là. Et puis. Ici, là, si on continue sur cette butte, on arrive à un autre ensemble de rochers. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils appellent le four. Mais ça ressemble à une... D'accord. D'accord. Donc comme une allée, hein. Comme une allée couverte. Hein. Une allée couverte, bien effondrée, mais je sais pas pourquoi du coup ils appellent ça four. Mais là voilà, on est encore donc sur ce four, cette allée couverte. Et là-bas on voit le menhir dépasser. Et là-bas sur la droite c'était le tribunal, juste en bas là-bas. Voilà, allez. Et donc dernière étape de ces alignements de Saint-Just. Waouh.
très longue allée couverte. Très très joli. 16 mètres de long. C'est quand même sympa. Hein. Moi je suis à contre-jour, on va faire le tour.